he's depressed and tired. I can't have a day. Bienvenue à Lola Bonobo. English, small English. Welcome to Lola Bonobo. Donc Lola Yabonobo, c'est le paradis de Bonobo en français. Voilà, ça sera déjà le premier groupe qui sont là. Voilà, c'est déjà le premier groupe. Et ils sont à, disons à 26 bonobos. Voilà. Et là vous avez la chef femme, soit la femelle dominante, celle qui est devant nous. Elle s'appelle Semendoa. Voilà. Semendoa, là, je vais m'expliquer ce que je cherche, c'est du sable pour nous jeter. La femelle. Et là c'est un mâle, maintenant on a celui qui est là-bas. Non. Allez. La pomme. Allez, qui va manger Sem? Ah lui il bouge, il fait le morceau de pierre là-bas. Ils arrivent à utiliser le futur. Non, laisse ça. Jette le sable, jette d'abord le sable, c'est mieux. Jette d'abord le sable. Bonobos, chimpanzis, gorilla et orang-outan, ce sont les quatre grands singes du monde. Les four great apes. In other words, nous avons des great apes, gorilla, loup, non tête, la queue, il n'y a pas de queue. Bonobos, chimpanzés, gorilles, orang-outan, tous les quatre apes n'ont pas de queue. Voilà. Pourquoi ils sont appelés grands singes. Et les autres qui ont des queues, ce sont des petits singes, des small monkeys. Great apes and the small monkeys. Small monkeys, et ils ont donc des F, ils ont la queue, les têtes. Donc voilà un peu la première différence. Et la deuxième différence entre grand singe et petit singe, c'est au niveau du cerveau. Donc les grands singes, c'est des singes qui ont un cerveau développé. Donc c'est des singes intelligents. Voilà. Et les autres qui ont des têtes,
on suppose que leur cerveau aussi est moins développé. Et que on a un cerveau développé, ce sont grand chose. Et là, c'est, vous avez la structure qu'on appelle arbre généalogique. Family tree. C'est des family tree. Et l'homme est là aussi. Voilà, parce qu'il n'a pas de gain, non tête, le deep brain. Et là, c'est le robot qui vient des émotions après l'homme. Si tout le monde y arrive, pourquoi pas moi? Des plus prochains. Et pourquoi on dit cela? C'est parce qu'on constate que le pourcentage par rapport à la PPI, c'est plus élevé chez le bonobo par rapport aux autres personnes. Et on détermine même que le bonobo se tient debout à 20% de sa marche. Donc les pipettes à 20%, les chimpanzés c'est à 5% des pipettes, les gorilles à 2%, l'autre lui, donc il reste toujours attaché à ça. Donc quand vous prenez la maman bonobo avec la maman humaine, il n'y a pas de différence. On sait qu'on sait la durée de grossesse. C'est 9 mois. C'est pareil avec la maman humaine. 9 mois de grossesse. The pregnancy lasts 9 months. No difference in the woman. No difference, yes. Pas de différence avec la maman humaine. C'est 9 mois de grossesse. Et aussi les femelles bonobo, toujours par rapport aux affinités avec l'être humain. Elles ont aussi la puberté et aussi la ménopause. Chez la femelle bonobo, ils ont la femelle bonobo entre en puberté à l'âge de 12 ans. 12 ans, c'est déjà la puberté. 12 years, puberté, c'est la femelle bonobo. Et à 35 ans, c'est la ménopause qui arrive chez vous. Et pour ce qui est de la reproduction, la maman bonobo, met bas un bébé tous les 5 ans. One baby, 5 years, un bébé tous les 5 ans, c'est la reproduction. Donc vous allez comprendre que de 12 ans à 35 ans, la maman bonobo donne environ 4 bébés. 4 bébés, soit 5, maximum c'est fini. Et ça c'est, je dirais que c'est l'une des causes qui a fait qu'aujourd'hui l'espèce dont les bonobos est aujourd'hui sont considérés comme une espèce en voie de disparition. Donc c'est l'une des causes. Et les autres causes, ce sont par exemple le braconnage. Le braconnage, la déforestation, les conflits armés. Donc, vous pouvez déjà comprendre quand vous associez cela à d'autres, disons, au faible taux de natalité soit de reproduction. Vous pouvez déjà comprendre ce que ça fait sur l'espèce. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la naquille, on signale qu'il en reste 10 000 à 20 000 bonobos. 10 000 à 20 000 qui restent en naquille. Par rapport au nombre qu'on avait de 100 000 bonobos en 1980, aujourd'hui, il en reste 10 000 à 20 000. Donc nous sommes les seuls pays au monde à l'air de l'arbre séchant. C'est les seuls pays au monde à avoir 3 grands singes sur les 4. Et donc à l'air de nous avons tous les 3 ici qui sont affectés dans la vie. Le bonobo que vous allez voir ici tout de les chimpanzés et les gorilles. Donc ça fait 15 qui sont déjà les gorilles dans la vie. Et sur les 15, il y a déjà 5 naissances parmi les nombres là, les groupes là qui ont été amenés. Là-dedans, ils ont les sacs là, les hamacs. Wow, ils dorment sur les hamacs. Et là, celui qui est devant nous, c'est Bwende. Il s'appelle Bwende, c'est un mâle. Bwende, viens. Nathalie. Voilà, et c'est ici où il y a le plus âgé du parc, il est là, il arrive. Allez, qui encore? Sansa, Chibo. Chilomba. Allez, les vieux. Voilà les vieux, les plus âgés du parc. Les plus âgés, Makali. Regardez comment il commence à s'agiter. Allez. Ils sont là en forêt parce que
ils ont mangé. Le matin, ça là, c'était le premier repas de tout le monde. Là, ils sont en forêt en train de ramasser encore des petits. Vous avez mis non, c'est la forêt naturelle. Okay. Et ils ont aussi la chance de rencontrer d'autres trucs là-dedans. Okay. Bon, alors, du coup, on est encore. Et si on est dedans, c'est juste un supplément. Tu disais que là, c'est le plus âgé du parc. Il a 32 ans. Il a déjà fait du tous les fois. Ils arrivent. C'est quelqu'un en forêt, ils arrivent. Okay. Y compris les méchants. Et là, il y a le maître dominant, il arrive, il va voir même l'autre, il va fouiller. Il tape sur les autres maîtres. Ah bon? L'autre là, oui, regarde. Oh, les costauds là. Qui dit que là, le père vient. Je vais réaliser que je vais me jeter du sable. Chimios italiano. Ok, on peut marcher, on peut continuer notre tour. Enfin, ils vont nous suivre. Oh, on va faire comme ça, on va passer. Et là, ce sera les grands tours, on fait les tours complets. Les chimpanzés avec le bonobo, c'est la même espèce. Or, ce sont des espèces distinctes. Comme on a dit, c'est l'arbre généalogique. Mais là, s'il faut les différencier, les deux d'abord. Vous allez voir que d'abord au niveau de la taille des bonobos à l'âge adulte arrive jusqu'à 1m20. 1m20 la taille. Voilà. Et le chimpanzé c'est 1m40, 1m50. Et d'où le nom bonobo. Bonobo ça veut dire chimpanzé pygmé. C'est le chimpanzé du nom bonobo. Les fesses bonobo. Les différences between bonobo et le chimpanzé. Les fesses bonobos et le chimpanzé, les fesses is clair. La face est claire chez le chimpanzé. Bon, des petites oreilles qui sont noires, tandis que le chimpanzé, regardez les oreilles, c'est blanc, des longues oreilles, comme le lapin, des longues oreilles qui sont claires. Et il y a aussi la troisième différence ici, au niveau des lèvres, les bonobos ont des lèvres qui sont roses, des lèvres roses. Tandis que le chimpanzé, les lèvres, c'est vraiment confondu avec la face, c'est pas extérieur. Et quand vous descendez au niveau des pieds, chez le bonobo, vous allez voir que le deuxième et troisième orteil s'est collé ici au niveau des phalanges. C'est collé. Tandis que chez l'autre, chez le chimpanzé, les orteils sont libres. C'est libre le bonobo. Et pourquoi pas aussi du côté régime alimentaire, le bonobo est principalement végétarien. Bonobo food, bonobo art, est végétarien, non meat. Non meat bonobo, yes. Végétarien, yes, non meat. Donc, tandis que le nôtre, lui, il mange tout, les chimpanzés. Des miettes, des végétaux, tout. Lui, il mange les chimpanzés. Et là, disons, du côté, je ne me trompe pas, en ce qui concerne l'organisation sociale, soit comment ils vivent dans la société. Et donc, chez le bonobo, c'est le matriarcal. C'est la femme qui dirige le groupe. C'est le matriarcal, le régime matriarcal. Donc, c'est la femme qui dirige le groupe. Tandis que chez les chimpanzés, le mégoui, c'est le mâle. Voilà aussi la différence. Et la dernière différence, c'est parfois au niveau du comportement. Et donc celui-ci, c'est le plus agressif par rapport aux trois autres. Par rapport même aux gorilles. Les gorilles, c'est entre eux, c'est dit à leur devise. La devise de bonobo, c'est faire l'amour et non la guerre. Voilà la devise de bonobo. Faites l'amour, pas la guerre, c'est ça leur devise. C'est tous les jours qu'il y a du sexe. Bonobo, Maplove Network is Bonobo Moto. Everyday, Maplove Network. Faites l'amour par la guerre, c'est ça leur devise. Et ça se fait pêle-mêle, le sexe, soit l'acte sexuel. Et donc, l'âge, le sexe, ça ne compte pas. C'est soit petit avec gras, petit avec petit, mal entre mal, c'est faute. Ils font l'assimilation. Soit les femelles aussi, elles font l'assimilation. C'est faute de leur organe génital, mais ils ont leur organe génital femelle. Donc voilà. Ou soit mâle avec femelle, donc pêle-mêle. Et aussi toujours par rapport à l'acte sexuel, ou soit par rapport toujours à l'organisation sociale. Et donc chez le bonobo, il n'y a pas de couple. Pas de couple non mérite. Ils sont polygames, polyandres, voilà, les idées. Donc tout ça passe chez le bonobo. Pas de couple.
bien, t'allais là. Ok. Allez là, goûtez. Tu étais où? Toi, voilà la chef. Tu étais où, toi? Ouais, je cherche pas de pain. Allez. Hein? Oui, oui, il est. La pomme. Pomme rose. Voilà la chef. Voilà, là, c'est tombé tout près des filles. Tu vois? Elle va récupérer tout en étant pris dedans. Ouais, c'est tout marqué sur le téléphone. Il a des sérieux problèmes. Oui, il a. Regarde, la famille rouge. Je pense qu'elle veut le tombe, non moi, parce que... Ça s'appelle qu'on a raté. Oui, ah, ah, champion. Sur sa croix. C'est un lapin ou un rat ou quelque chose, tu vois.